pour une réelle intégration dans leurs espaces respectifs. Les États membres de la CEDEAO et de l'UEMOAD tiennent une rencontre à Ouagadougou. Les pays de ces deux institutions ont déjà des actions communes et ils vont justement dresser le bilan de leur collaboration. Ce sera aussi une occasion pour eux de définir de nouvelles pistes de partenariat. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Cela dit, les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont en concertation. Cette concertation qui a débuté ce matin même à Ouagadougou se tient pour la 14e fois. Elle servira de cadre pour les deux institutions de dresser le bilan de leurs actions communes et d'identifier des solutions pour une meilleure intégration dans leurs espaces. À noter que la rencontre de Ouagadougou se tient à un moment où de nombreux États ont déjà signé des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Jacques Lamissa, Tarpara. La conjoncture économique mondiale se déteint sur l'espace économique CEDEAO. La croissance est passée de 6,2% en 2012 à 5,6% en 2015. L'Union économique et monétaire ouest-africaine et la CEDEAO se concertent régulièrement pour mieux réaliser l'intégration. Malgré la l'économie mondiale, on peut dire que les perspectives dans notre région Afrique de l'Ouest sont encourageantes dans la mesure où le taux de croissance estimé attendu pour notre région cette année dépasse les 5,2%. Donc on peut dire qu'il y a un dynamisme dans la croissance de notre région malgré les difficultés que nous avons par ailleurs dans le domaine de la paix et de la sécurité et dans le domaine des infrastructures. C'est justement pour renforcer l'efficacité de notre action que nos deux commissions ont décidé de se concerter régulièrement. Ouagadougou abrite la 14e rencontre interinstitutionnelle. De nombreux défis doivent être relevés et les experts de l'UEMOA et de la CEDEAO ont fait des recommandations qui seront. Soit la même, que nous parlions d'une seule voix, parce que nous ne pouvons pas être divergents sur les objectifs. Les objectifs étant les mêmes. La réalisation du marché commun de la CEDEAO dans le contexte de la signature des accords de partenariat économique avec l'Union européenne est un défi. L'espace devra adopter une monnaie unique pour être plus compétitif. La réflexion est en cours jusqu'en 2020. Il s'est ouvert ce lundi matin également à Ouagadougou la 33e Assemblée générale de la CICARE, la compagnie commune de réassurance. La rencontre réunit les représentants des États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. À cette occasion, deux séminaires de formation sur l'assurance vie et l'assurance non-vie seront organisés au profit des participants. Il est question de mieux préparer ces acteurs de l'assurance sur la gestion technique des sinistres afin de mieux répondre aux attentes des assurés. Le reportage de Moumouni Soubeiga. Deux thèmes sont au menu des séminaires de la 33e Assemblée générale annuelle de la CICARE, la compagnie commune de réassurance des États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. La gestion technique d'un portefeuille vie et la gestion technique des sinistres et son application en réassurance. Les compagnies d'assurance elles-mêmes, pour pouvoir effectuer les activités, ont besoin de se réassurer. Il y a des branches qui portent sur les assurances des choses, les assurances des dommages, et il y a des assurances qui concernent les personnes, la vie des personnes. La rencontre de Ouagadougou prévoit le renforcement des capacités des acteurs réassureurs, mais aussi la présentation des nouveaux outils informatiques. Assurance vie, la gestion technique consiste en fait à toutes les opérations de souscription des contrats d'assurance. Et dans la souscription des contrats d'assurance, il y a un aspect très important qui est ce qu'on appelle l'acceptation médicale. Donc nous allons mettre un accent sur cet aspect-là pendant ce séminaire. Nous allons également faire intervenir notre actuaire pour revenir sur le calcul des provisions mathématiques. Nous allons profiter pour représenter le nouveau logiciel de gestion des contrats d'assurance vie développé par la CICARE. Le directeur général du Trésor du Burkina a présidé l'ouverture des travaux. Nabi Abraham Ouattara a salué le choix de ces thèmes. La CICARE dispose aujourd'hui d'un capital de 20 milliards de francs CFA. L'une de ses vocations, c'est aussi le développement économique des États membres.
Et il se tient depuis le 18 juin dernier à Ouagadougou, le Salon international de la construction du bâtiment et des travaux publics. L'événement, qui est à sa 10e édition, bat actuellement son plein sur le site du CIAO à Ouagadougou. Il s'agit d'un rendez-vous de démonstration et d'exposition des produits utiles à la construction et à l'équipement. Plusieurs acteurs du domaine de la construction, venus du Burkina Faso et d'ailleurs, prennent part à ce salon. Maxime Zongo. Deux thèmes sont au menu des séminaires de la 33e Assemblée générale annuelle de la CICARE, la compagnie commune de réassurance des États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, la gestion technique d'un portefeuille vie et la gestion technique des sinistres et son application en réassurance. Les compagnies d'assurance, elles-mêmes, pour pouvoir effectuer leurs activités, ont besoin de se réassurer. Il y a des branches qui portent sur les assurances des choses, les assurances des dommages, et il y a des assurances qui concernent les personnes, la vie des personnes. La rencontre de Ouagadougou prévoit le renforcement des capacités des acteurs réassureurs, mais depuis le lancement des activités de cette 10e édition, les locaux du CIAO ne désemplissent pas. Venus du Burkina ou d'ailleurs, ils sont là pour nouer des partenariats d'affaires. Comme la Tunisie a pu faire un certain chemin dans le domaine technologique, et puis on avait les mêmes problèmes que vous, je me suis dit, il vaut mieux aller dans un pays où on peut faire beaucoup de choses, où on peut apprendre les conditions de vie et puis adapter aussi les solutions adéquates au pays. Des nombreux stands, ce sont des produits ou des technologies allant des schémas d'aménagement aux matériaux de construction qui sont donnés à voir au public. L'objectif, selon les promoteurs, permettre à chacun de découvrir des variétés afin de faciliter le choix utile et nécessaire pour une construction viable et durable. Construire une maison, c'est un investissement. Un investissement qui coûte 15, 20, 30, 40, 50 millions. Alors, il ne faut pas commencer et puis 5 années après regretter. Donc, ce salon permet à tout un chacun de venir découvrir ce qu'il y a comme nouveauté, ce qu'il y a comme nouvelle technologie, ce qu'il y a comme produit nouveau, pour lui permettre de faire le bon choix. De l'achat du terrain jusqu'à l'aménagement des jardins, bref, tout le processus entrant dans la réalisation d'un cadre de vie agréable y est largement exposé. L'innovation cette année, les schémas sur les grands travaux publics, avec notamment cette maquette du projet de l'échangeur du Nord. Autre point de l'actualité, dans sa mission de protection et de promotion des droits des enfants, le secrétariat permanent du Conseil national pour l'enfance a commandité deux études, des études qui avaient pour but d'évaluer les connaissances, les attitudes et les pratiques sur les droits de l'enfant au Burkina Faso. Les rapports de ces deux études ont été présentés au cours d'un atelier organisé à Ouagadougou. Les acteurs du domaine de l'enfance devront amender et valider les résultats de ces deux études. Mounira Kéré et Aruna Mari. En 2015, 50% des enfants burkinabés connaissent l'existence de leurs droits contre 37% en 2008. Ce sont les résultats que l'on retient des deux rapports commandités par le secrétariat permanent du Conseil national pour l'enfance. Deux rapports qui sont soumis à amendement et validation au cours de cette rencontre. Il s'est agi de valider à la fois une enquête, l'enquête sur les connaissances, les attitudes et les pratiques en matière donc de protection des droits des enfants et aussi d'évaluer aussi le plan d'action pour l'enfance donc 2008-2010. Même si les rapports notent une légère évolution en matière de protection et de promotion des droits des enfants, ils précisent que beaucoup d'enfants sont toujours victimes de toutes sortes de violences. Il y a beaucoup plus d'efforts à faire encore par rapport à la protection spéciale des enfants, surtout contre les violences de tout genre, physiques, sexuelles, la traite, le travail des enfants. Là-bas, apparemment, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Donc la situation reste vraiment préoccupante. Ces acteurs du domaine de la protection de l'enfance espèrent des deux rapports qu'ils suscitent des actions en faveur des tout-petits. 14 500 000 francs CFA, c'est la moisson des parieurs burkinabés qui ont participé à la tranche commune entente du 12 au 16 juin dernier à Niamey, au Niger. De retour au Burkina Faso, ces heureux gagnants sont maintenant entrés en possession de leur chèque. Ils sont 11 parieurs au total et ils gagnent chacun entre 1 et 2 millions de francs CFA. Tanga Robert Kafando.
Ils sont au total 10 parieurs à recevoir le chèque de la LONABE, la Loterie Nationale Burkinabé. Des chèques d'un montant compris entre 1 à 2 millions de francs CFA, fruit de leur participation à la tranche commune entente des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente. Une joie, c'est une joie seulement. Je ne pensais pas que j'allais gagner, mais c'est Dieu qui a donné ça. Par 1 500 000 de la loterie, je vais prendre ça pour faire mes petits besoins et puis enlever pour donner à l'orphelinat. 14 500 000 francs CFA, c'est la moisson totale du Burkina Faso à cette édition de la tranche commune entente tenue du 8 au 12 juin à Niamey. Et le directeur général de la LONABE de féliciter les heureux gagnants et leur souhaiter un investissement fructueux des gains. La Loterie Nationale a une convention avec la maison de l'entreprise. Et là, c'est pour les grands gagnants du PMU surtout. Mais pour ces montants-là, j'encourage chacun à investir dans son domaine d'activité. La tranche commune entente regroupe 5 pays et pour cette année, le gros lot est revenu au Bénin avec 16 millions de francs CFA. Le Burkina Faso se place en deuxième position. Les responsables de l'Office national de l'eau et de l'assainissement apportent un démenti sur des travailleurs se réclamant de ce service. On se rappelle que la semaine dernière, ces travailleurs qui disent être des contractuels de l'ONEA avaient animé une conférence de presse face aux hommes des médias. Ils avaient expliqué leurs revendications, revendications qui portent notamment sur une augmentation de salaire. Mais selon le directeur de l'exploitation de l'ONEA, ces personnes ne sont pas des agents de l'ONEA. On l'écoute au micro de Bouma Ernest. Le personnel en question n'est pas du personnel contractuel de l'ONEA, mais plutôt des agents d'un service avec lequel l'ONEA a contractualisé une partie de ses activités. Il faut dire pratiquement depuis 2007, l'ONEA a externalisé une partie de ses activités, à savoir le gardiennage, le nettoyage et les fouilles pour la pose des canalisations et des branchements. Et ce service, du moins, met à notre disposition ce personnel qui s'est présenté à vous au cours de la semaine passée. Alors, disons ici aussi que depuis décembre 2014, le même type de personnel s'est adressé directement à notre ministère de tutelle, à savoir le ministère de l'Agriculture, pour poser une revendication relative à leurs conditions de travail. Nous avons été effectivement interpellés et le ministère a simplement servi d'intermédiaire entre les entreprises et les agents pour la résolution de leurs problèmes. Alors, ce que je puisse dire, rassurer surtout les consommateurs par rapport aux déclarations qui ont été faites. Nous allons contribuer, nous allons prendre les dispositions de sorte que les différents qui opposent ce personnel à leur employeur puissent trouver une solution. Nous rassurons ici la population, les consommateurs, pour dire que quelle que soit l'évolution de la situation, nous allons prendre toutes les dispositions pour assurer la continuité du service. Cela fait maintenant 4 ans que l'Université de Ouagadougou délivre le Master Agrinovia. Cette année encore, une promotion a achevé sa formation et a effectué sa sortie la semaine dernière. Le Master Agrinovia est une formation internationale et pluridisciplinaire. Il est basé sur une approche innovante en matière de développement agricole. Sur la cérémonie de sortie de promotion, le reportage de Claudine Bigaba. Une formation innovante en matière de développement rural à l'Université de Ouagadougou. Cette formation en Master Agrinovia est une formation des professionnels qui accompagne le milieu rural à sortir du sous-développement. Son originalité, c'est allier la compétence endogène avec les formations modernes, les innovations sur le plan, en tenant compte des changements de nos jours. Au lieu de perpétuer l'approche top-down, il faut promouvoir une approche bottom-up, c'est-à-dire qui permette de partir de la base pour aller à la rencontre d'autres acteurs qui s'occupent des questions de développement. Donc il s'agit de synergie, de conjonction des compétences locales et internationales pour pouvoir mettre en œuvre et une véritable dynamique durable de développement. Le programme de formation allie théorie et pratique réunit des professionnels venus de plusieurs pays d'Afrique. Au-delà des échanges en salle, nous avons pu mener des sorties sur le terrain où nous avons mis en application tout ce que nous avons pu apprendre en salle. Donc je pense que cette formation, ça répond
à tous les enjeux assez complexes du développement rural. Retour sur la fête de la musique célébrée hier 25 juin 2015, une fête célébrée dans le monde entier et donc au Burkina Faso aussi. Et justement, au Burkina, la fête a été célébrée autour de la thématique sur les stratégies de lutte contre la piraterie. Mais au-delà de la réflexion menée autour de cette thématique, hier soir, le ministère de la Culture et du Tourisme a offert un podium spécial fête de la musique au Ouagadougou. À l'occasion, une soixantaine d'artistes ont donné des prestations au bonheur du public. On voit cela avec Haruna Mari. De la musique, il y en avait pour tous les âges et pour tous les goûts à l'occasion de cette édition 2015 de la fête de la musique. Qu'ils soient artistes de l'ombre ou de grands noms de la musique burkinabé, tous sont au cours de cette soirée sous le feu des projecteurs. L'atout est très bien garni. Nous avons près de 70 artistes traditionnels et des musiciens modernes qui sont là. Je pense que nous pouvons en tout cas saluer la mobilisation des artistes, leur engagement pour la réussite de cette fête. Des heures durant et dans une ambiance festive, artistes, musiciens traditionnels et modernes font montre de leur talent. Un spectacle qui leur permet de se rapprocher plus des mélomanes. Je n'en sais rien, maman. Qu'on s'arrête une fois dans l'année pour célébrer la musique, c'est une bonne chose pour nous autres artistes. Et ça, ce n'est pas seulement au Burkina, c'est dans tout le monde entier. Donc là, c'est une fête internationale, bon, qui dépasse même. Mais c'est que le Burkina Faso s'est approprié cette fête-là, en a fait quelque chose d'officiel, et ça, c'est une très, très bonne chose. Et pour un spectacle gratuit et en plein air, le public, lui, ne semble pas avoir boudé son plaisir. Retour au Burkina Faso pour la revue de presse. Ce lundi, le verdict dans l'affaire Ousmane Guiro est largement abordé dans les journaux écrits. Les parutions de ce jour s'intéressent aussi aux dernières divisions chez les partis politiques sankarista. Et la revue de presse est signée de Evelyne Dabiri. C'est le verdict de l'affaire Guiro qui fait la une de vos quotidiens de ce 22 juin. Un verdict donné par votre journal Le Pays. Guiro a été condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à un paiement de 10 millions de francs d'amende, à la confiscation des objets saisis à hauteur de 900 millions de francs CFA. Il est enfin condamné aux dépens. Et voici le dernier mot de l'accusé avant le verdict que rapporte le journal Le Soir. Je n'ai à aucun moment failli à mon devoir. En toute sincérité, je n'ai rien fait de mal, je m'en tiens à votre décision. L'observateur Palga, après analyse du verdict, estime que Guiro s'en tire à très bon compte. Et de l'avis de la défense, rapporte aujourd'hui au Faso, ce verdict est courageux et responsable. Puis mon confrère relate quelques moments forts de ce procès, de 10h05 début du procès à 23h52 fin du verdict. Des incidents ont aussi été relevés lors du procès, des incidents que rapporte votre quotidien citoyen. Les questions posées aux jurés lors de la délibération, de même que leurs réponses, sont à lire dans votre journal Le Quotidien. Puis notre temps, suite à ce verdict, écrit « Finalement, il ne retourne pas en prison ». Ce confrère, dans son édito, fait une analyse de l'affaire Guiro en ces termes. « C'est révoltant et insultant pour les autres fonctionnaires de l'État, si tant est que la richesse de Ousmane Guiro découle des avantages liés à sa profession de douanier, comme cela a été démontré et défendu par les avocats de l'inculpé. Pour le pays, il va falloir réviser les textes de la douane. Mais que veut-on pour suivre votre quotidien Notre Temps, qui conclut « La justice et la logique ne sont pas des sœurs jumelles ». Actualité nationale toujours, la division des Sankaristes rendue publique par cet écrit paru dans l'Observateur Palga. Nous retirons à compter de ce jour tout soutien au candidat unique sankariste désigné lors de la convention des 16 et 17 mai 2015. Une division que ce confrère qualifie de « maladie infantile du sankarisme ». L'Express du Faso s'interroge alors, faut-il en rire, en pleurer ou s'en moquer? Et ce confrère poursuit, les sankaristes ont remis ça exactement comme ils en ont l'habitude. L'Express du Faso poursuit, si Sankara pouvait savoir, il se serait réveillé car de son vivant, Thomas Sankara a toujours cherché l'unité de son peuple. L'observateur Palga estime que, à 4 mois d'une présidentielle qui s'annonce serrée,
La guerre fratricide vient rappeler une fois de plus que deux choses seulement font l'unité des Sankaristes, leur idole Sankara et leur ennemi juré, Blaise Compaoré. Votre quotidien Le Soir conclut à ce propos, il ne reste plus que le mot déception qui vaille ici. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable après-midi et à demain.